tout le monde. J'espère que vous allez bien et je suis très heureux d'être en compagnie de Queen Mimosa et Hugo. Nous sommes le 1er juillet et aujourd'hui sort un film qui s'appelle Les Profs 2. La réputation des profs a traversé la Manche et donc un collège anglais très huppé et très rigide a besoin des services des pires profs français pour accomplir une mission secrète. Drôle de jour de sortie en pleine canicule. Comme ça les gens ils auront froid dans les salles de cinéma. Il y a la clim. Tu étais comment comme élève? Un cancre ou un premier de classe? J'allais dire les deux, mon général. Moi, j'étais beau. Étudiant, j'ai jamais été, parce qu'en France, un étudiant, pour nous, c'est après le bac. J'étais un bon élève parce que mon père m'avait dit que si j'avais de très bonnes notes, je ferais le métier que je veux. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Je vous dis tout ce qui avait marqué sur mes carnets de correspondance. Dissipé, peut mieux faire, turbulent, insolent, impertinent. Beaucoup de mots en « en ». Ah, c'est vrai que j'ai pas foutu grand-chose. Mais j'ai quand même eu tous mes diplômes. J'ai un petit cadeau pour vous les garçons parce que sort chez Bambou le 17e tome des profs. Hugo, 2 plus 2 égale 4. Jonathan, 38 moins 17 égale... Ah, t'es une pute. C'est ça un prof cool? Non, ça c'est un prof connard. Vous avez un souvenir d'un bon professeur? Il y en avait un, notamment un prof de latin, je crois, qui portait sa sacoche par derrière, comme ça, avec les deux mains, comme ça. Et je l'imitais, parce qu'il m'impressionnait ce type-là. T'as pas eu de professeur sexy? Si, une qui était trop belle en plus, elle était prof d'histoire géo, elle avait une grosse masse de cheveux bouclés, elle était vraiment parfaite. Il faut s'adapter aussi à l'enfant à mon avis. De la même manière que moi quand je mets en scène mes acteurs, je ne vais pas du tout parler de la même manière à Isabelle Nanty, qu'à Didier Bourdon ou qu'à Kev Adams. Est-ce que pour la rentrée des classes, il faut le bon sac, le bon crayon, le bon accoutrement, etc. Bien sûr. À la rentrée, c'est le moment où tout le monde te juge en fait. T'es obligé d'être au top. Mais il faut être swag. Par exemple, un imprimé sac moule pour faire ta rentrée en Belgique, tu as la classe avec un petit t-shirt frites. Là, tu as la maxi classe. Donc, qu'est-ce que vous pensez des uniformes? Moi, je suis pas contre. Hein. Je suis pas contre. Vous savez, les avocats, c'est pas pour rien s'ils portent tous la même tenue. Au collège, c'est cool. Au lycée, c'est un peu dommage. Sauf si c'est un uniforme d'étudiante japonaise. Où là, c'est cool parce que tu ressembles un peu à une Sailor Moon. Moi, j'avais un tablier quand j'étais enfant. On avait tous un tablier bleu, les filles un tablier rose. Non, je ne suis pas contre. Moi, je suis juste contre le frappage. C'est-à-dire que je pense que ça ne sert à rien de frapper un enfant. Ça ne sert à rien de... Oui, ça, je l'ai eu. D'ailleurs, j'ai les doigts plus courts qu'un être humain normal, regardez. Et ce n'est pas pareil pour le zizi. Parce que si on tape sur mon zizi, eh ben, il n'est pas plus court. Alors que les doigts, regardez. Voilà, je suis contre ça aussi qu'on m'a fait. Qu'est-ce qu'on a dans sa boîte à tartines? Du lait de soja à la banane, qu'on trouve qu'en Belgique. Je pense avant tout des gâteaux, je trouve. Et en plus, dedans, tu peux choisir, tu vois, par exemple, là, c'est le schtroumpf cadeau. Et schtroumpf cadeau. Et oui, et il aussi... C'est le schtroumpf parseur. Ah. Et pas de bière. Ça dépend quel genre d'élève t'es. J'ai découvert l'Orval et je ne jurais que par l'Orval. La Duvel que je trouvais facilement en France. Et puis, je me suis remis à la Ciné. J'aime beaucoup la Ciné. La Rochefort, mais alors, c'est vraiment pour la dégustation. La Couac, ça m'amuse beaucoup parce que je sors le verre avec le machin, puis enfin bon, c'est toujours folklorique avec les petits Français de leur montrer ça. On est obligé de passer par la Marée de Sous. J'ai voulu à tout prix tourner des très belles scènes des profs 2 à Marée de Sous. Pour ceux qui sont amateurs d'Harry Potter, vous découvrirez un peu la cantine à la Harry Potter, là où les moines de Marée de Sous mangent et prennent leur petit déjeuner. Qu'est-ce qui est cool comme job d'étudiant? Garçon de piscine. Travailler à Léon. À Léon, ah. J'ai travaillé d'ailleurs quand j'étais plus jeune pour le parti écolo wallon. J'ai sillonné toute la Wallonie avec une poubelle et un clairon. Les marchands sur les marchés me détestaient parce que voilà, pendant qu'ils essayaient de vendre leur poulet, je faisais mon petit spectacle pour le parti écolo.